Bonjour à tous, c'est Arkina. Aujourd'hui, je suis sur la map World versus World côté vert, un peu au nord-ouest de la colline solaire, comme vous pouvez voir ici. Je me trouve environ dans ces parages-là. Et là, le but aujourd'hui, c'est de faire un jumping puzzle pour aller chercher des armes de siège, le tout bien entendu en évitant de se faire poutrer par toutes les personnes qui passeront à proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jumping puzzle nous propose de récupérer deux parties de clé à travers un petit parcours assez simple, composé de sauts, on va dire relativement simples, pour ensuite pouvoir accéder à un coffre. Donc là, ce que je fais pour l'instant, c'est vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis pour ensuite pouvoir commencer à accéder à cette zone. Donc la zone à accéder, quand on suit la route, on peut voir ici une première entrée de caverne, là où on pourra accéder au jumping. Donc les jumping, c'est une partie PvE assez simple, hein, mais là où vous pouvez voir qu'il y a quand même énormément de personnes. Donc je vais prendre la fuite. Alors la majeure difficulté, c'est avant tout de rester en vie. Donc là, vous voyez, il y a trois personnes. Je vais batailler sec, mais je vais quand même réussir par me faire avoir au bout d'un moment. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à finalement rentrer dans la caverne. Après une bonne petite heure de bataille. Donc là, je me dirige sur le point de départ du jumping puzzle. Donc vraiment des sauts assez simples, hein, pour commencer. Vous voyez bien, je suis arrivé par ici, remonter là pour arriver jusqu'ici. Donc là, nous sommes au début d'un promontoire. Et ce promontoire, il va falloir viser les deux cornes qui sont ici pour essayer de perdre le moins de vie possible. Comme vous voyez, à ma barre de vie, on perd quand même pas mal de dégâts. Nous voici enfin dans la caverne où on va commencer le jumping. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal d'ennemis. On va essayer de les passer tranquillement. Pas mal de personnes qui ont besoin de ces armes de siège. On peut comprendre que c'est rushé. Donc là, je me trouve sur un petit rocher flottant. Donc je continue mon chemin tranquillement, hein. Le but, c'est vraiment de faire des sauts assez précis pour éviter de tomber. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà dézoomer au max et ensuite essayer de vous mettre de bloquer la vue au-dessus de votre personnage pour regarder quel saut vous pouvez faire. Donc ici, une autre partie, ça va être de passer au travers de cette caverne. Donc moi, en tant qu'élémentaliste avec un bâton, je peux mettre quelque chose qui concerne la rapidité. Je vais donc foncer. Et voilà, je me retrouve sur les lianes en passant la caverne. Là, techniquement, on va dire que c'est pas le plus dur, parce que regardez ce qui m'attend, trois petits rochers ici. Et on va dire que ces rochers sont assez durs à passer si on n'a pas beaucoup de précision. Donc là, voilà, c'est passé assez facilement. Avec ici quelques petits limons à combattre, bon, on va les faire rapidement. Donc voilà, on va faire une petite régène rapide. Bon, là, on peut voir des gens qui s'avancent. Vu que j'ai un petit doute sur la nature de leurs intentions, je vais essayer de me dépêcher. Donc je repasse en spé électrique pour avoir plus de vitesse.
Je me mets au bord du promontoire ici et le but ça va être de rejoindre la plateforme là-bas. Alors une des majeures difficultés que vous aurez pendant vos jumping à chaque fois, c'est en fonction de la taille de votre personnage, c'est vraiment la caméra. La caméra sur les jumping, c'est votre ennemi. Ça c'est certain, quand on fait un Azura, on se rend beaucoup moins compte, je pense. Mais on va dire que Sylvaris, c'est pas un personnage qui est particulièrement grand. Et la caméra nous fait déjà défaut. Donc, tout ça pour arriver finalement à ce coffre. Un coffre qui a déjà été ouvert. Vu que j'ai déjà fait ces clés précédemment. Donc, dans ce coffre, vous allez trouver la partie inférieure d'une clé. Qui va compléter celle-ci. La partie supérieure de la clé de Rashburn. Pour la partie supérieure, ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est ressauter dans l'eau. Pour ensuite pouvoir sortir de la caverne en toute sécurité. Et je vais regarder déjà si le chemin est safe. Voilà. Donc l'entrée de la caverne est par là, bien entendu. Donc là je vais continuer et reprendre le même chemin qu'à l'entrée pour aller faire la partie supérieure de la clé. Encore une fois le promontoire. Bon, essayez de le passer avec un boost de vitesse. Généralement ça marche assez bien. Donc là vous voyez j'ai des alliés avec moi. Alors pour cette partie de clé, le chemin est un peu différent. Cette fois-ci, il va falloir passer par ici. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai évité de justesse un projectile. Je pense qu'il doit y avoir déjà 2-3 personnes de présentes sur le lieu. Donc ici on a une interaction possible avec le caveau de Rage Brume. C'est dans ce caveau que vous pourrez trouver le coffre avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les plans d'armure. Voilà. Là on va y aller tranquillement. La question que je me pose c'est est-ce que je suis attendu? Alors oui, il y a 2 personnes en haut là-bas. Donc là pareil, encore un petit saut de rocher, assez sympathique. Voilà, qu'on fait vraiment facilement. L'important c'est vraiment d'avoir une bonne notion de vos distances de saut pour éviter de tomber. Là vous voyez les 2 personnes ici, les 2 envahisseurs, donc je vais essayer de me les choper sur la tronche. Ah, quoique. Bon, je pense que le contact va être assez inévitable. On va déjà atteindre les parties. Voilà, tranquillement. Donc ça va. Il laisse passer. C'est pas le cas de toutes les personnes. Hein. Dans d'autres cas, j'aurais déjà été bump en bas de la falaise depuis longtemps. Alors ici, pour les lianes, vraiment faire attention. Vous pouvez soit procéder par saut, soit vraiment par très très petites avancées. Voilà, par exemple comme ça, attention au coude ici. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment un jumping assez plaisant, assez sympathique à faire. Là aussi, le coffre ouvert, vu que ça, j'ai déjà fait ça ce matin. Donc cette vidéo était juste à but informatif. Une fois que vous avez vos 2 parties de clé, donc le but ce sera encore une fois de sauter dans l'eau, reprendre le passage ici de la caverne. Ensuite passer par ici, hein, suite au
suite à la chute, à partir du promontoire. Donc ensuite, ça remarche assez facilement, hein. Vous ressautez, vous faites comme notre ami Atome ici présent, à repasser sur la liane pour ensuite pouvoir vous diriger vers le caveau qui vous a été montré au début de la vidéo. Bon, généralement pour passer le coup, bon, voilà, un saut quand on se trouve au bout de la première partie, c'est pas mal, ça marche aussi. Donc là, on voit des gens en train de s'affronter, je vais voir si je peux aller leur apporter un peu d'aide, montrer le caveau après. C'est une des choses qui est assez marrant quand on est... C'était les personnes de chez Gwen. Je suis assez triste de les achever vu qu'ils m'ont laissé passer sans trop de casse. Voilà. Donc ainsi est fait. Pour aller jusqu'au caveau de Rajbrune. Voilà. Donc c'était tout pour ce jumping puzzle qui, je le rappelle, est situé sur cette map, les territoires frontaliers situés à gauche, généralement la map verte. Donc avec un point de départ situé ici. Bon là, comme vous pouvez le voir, nos points rouges, bon, j'ai pu me diriger assez facilement, donc soit en me TPant ici, soit ici, pour pouvoir ensuite passer tout le chemin jusqu'à l'entrée de la caverne, qui se trouve soit ici, soit ici. Bon, vous regardez le chemin, vous vous repérez par rapport à la plateforme aquatique ici avec le promontoire. Voilà, c'était tout pour moi, c'est Arkina pour Origin TV.